Cette forge, elle est un peu particulière, je l'ai appelée forge de voyage, et on peut la construire très rapidement avec très peu de choses, un sac, un tuyau, on fait un petit trou dans le sol et voilà, on a une forge. Les outils, c'est vraiment une spécificité de l'humain. Il n'y a que l'humain qui fabrique des outils, qui fabrique ce qu'il a besoin. Et dans notre monde industriel, on a confié ça à d'autres. Et cet atelier forge permet de se réapproprier ce savoir, partiellement. Je ne sais pas si ça t'a un peu brillé, tu vois. Non, un petit peu, oui. Tout le monde peut parler. Rappelle-t-il un petit coup avec le plat. Ah oui, c'était avec le plat. Tout le monde a les mêmes bases. Et de montrer qu'on pouvait le faire soi-même, qu'on pouvait retrouver de l'autonomie par rapport aux outils. Et que c'est abordable, c'est pas hors de notre portée, c'est assez simple. Il y a tout ça à faire, et puis après, il y a le tranchant. Ouais, sauf c'est juste l'inclinaison qui change. On peut aussi arranger la pointe de la même façon. D'accord. Voilà. Une fois que tu as bien mis la courbure comme tu le souhaites, tu peux aiguiser la lame. Merci Franck.